Le gouvernement a décidé de perdre le Nord. Pour des diamants, de l'argent et de l'or, ils prétendent vivre dans un pays libre. Mais ils ignorent que la nature est notre parfait équilibre. Trop de consommation pour des biens matériels. On est en train de perdre le Nord et les enjeux sont réels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elle nous maintient en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais cette terre nourrit toute une population. Vous voulez déraciner tout le Nord québécois, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. T'inquiète, j'ai compris, c'est une question business. Vous gouvernez un territoire rempli de richesses. Venez surtout pas me faire croire que cette terre vous appartient. C'est plutôt grâce à elle qu'on respire chaque matin. Je représente mon peuple à travers l'art et je vous annonce de leur part que le peuple en a marre. Mais on connaît votre politique, des êtres obsédés. Là où il reste un peu d'air frais, vous devez le posséder. Vous faites même basculer notre chaîne alimentaire. Assis bien au chaud sur la colline parlementaire, vous pensez refaire le monde avec votre projet de loi. Mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. J'ai vu sur cette terre les plus belles rivières, mais à cause de vos mines, les poissons ont le cancer. Nos ressources naturelles s'épuisent rapidement. Tout ça pour aller vivre près des tours de ciment. Les rivières sèchent, les arbres tombent, les avares se réjouissent car le dollar monte. Les esclaves de l'argent n'auront rien dans leur tombe. On fait tous des erreurs, mais à leur place j'aurai honte. On sera tous concernés quand la terre sonnera son heure. Je veux juste vous rappeler que vous commettez une grave erreur. Je suis honnête avec vous, votre politique me déçoit, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Sur cette terre, il y a des gens remplis de sagesse, enfermés dans vos réserves, prisonniers de vos gestes, qui protègent ce territoire depuis la nuit des temps, parce qu'on habite ces terres depuis plus de 10 000 ans. Avez-vous pensé aux gens qui habitent ces forêts? Vous avez mal calculé l'impact de votre projet. Cette terre est fragile, sauvage et indemne, aussi riche et fertile qu'une terre africaine. On ne peut la posséder, cette terre nous a élevés, on doit la protéger, elle est mère de l'humanité. Le plan Nord repose sur une génération, je m'y oppose. Pose au nom de toute la nation.